Mesdames et messieurs, c'est Méfort, on se retrouve au Brawl Stars. Aujourd'hui, on va parler des comptes mystérieux, buggés, piratés, hackés ou alors cursed, comme on dit en anglais. Voilà, cursed account. Voilà, beaucoup d'infos viennent de la part de Ray Brawl Stars, enfin en tout cas de ses recherches, mais j'ai vu qu'en fait, certaines de ses recherches a été trouvée aussi par d'autres avant. Donc bon, c'est un peu un mélange, donc je sais pas à qui il faut mettre tous les crédits pour les trouvailles, mais peut-être même à vous-même, parce que vous allez dire, mais je l'avais trouvé. Voilà, on va voir beaucoup de choses étranges, mais avant que ça commence, on va quand même vérifier. Ouais, purée, moi j'ai rien dans le shop, les gars, j'ai que des trucs nuls. Est-ce que vous avez des bons trucs? Est-ce que ça a sauté? Là, non. Voilà. Mais ça ne doit pas faire une semaine. Toutes les semaines, ça saute. Ça soutient la chaîne, les gars. Je peux vous faire des dingueries avec, des achats, des machins, des bidules. Puis en plus, je vous fais gagner du skin souvent. Voilà. Checkez le TikTok. Hein. Il y a beaucoup de concours encore possibles sur TikTok avec 10 skins de Jeannette. 4000 pouces bleus. On lance un concours sur des nouveaux skins de votre choix. Et là, du coup, c'est... je mettrai de ma poche. Hein. Alors, si vous tapez ce code à 10-20-98-20-PQP, faites-le comme ça. On voit si c'est à jour. On a le gland d'arc. Alors, ça, j'en ai vu plusieurs qu'on en parlait. Rien n'a parlé. Des shorts, tout ça qu'on en parlait. Vous n'êtes peut-être pas passé à côté parce que voilà, j'ai pas vu des Français en parler. Regardez-moi ça. On va regarder. Donc, il y a plein de gens chelous. Si on passe par le bas, c'est peut-être le plus chelou hein, qui a été montré avec la petite Nita. Regardez cette Nita, en fait, elle a 2454 TR max. Donc, elle n'a pas atteint les 1500. Mais vous voyez que victoire en 3v3, 25586. C'est, j'ai pas tout ça, moi. J'ai pas tout ça, moi, en 3v3, je crois. En solo, 64000. Alors, ça, c'est sûr, j'ai pas. En duo, 48673. Alors. Comment expliquer ceci, cela? Voyons voir, 69 brawlers. Et vous voyez que si on fait peut-être par trophée max, voilà, on a un rang 16 pour... Ouais, purée, rang 19. Il n'y a que des rangs claqués au sol. Un 24 peut-être, là, pour la Nita. Il y a plein de brawlers. Et pouvoir 11, 0 TR, hein, quand même. Il y a du P11, 0 TR. Déjà, même pour... Bon, il faut les améliorer, etc. Alors, comment c'est possible, peut-être? Peut-être qu'effectivement, si on joue en... Alors, en Power League, si on joue en Power League, d'ailleurs en Coupe Star, il y a peut-être moyen de... Est-ce qu'on chope des jetons? Je ne sais pas si on chope des jetons, mais en tout cas, on peut choper des victoires. On peut choper peut-être... voilà, mais par contre, les victoires en solo, on ne les chope pas là-bas. Donc, pour avoir des solos et pas perdre... Enfin, ou alors, il faut perdre aussi beaucoup. Alors, voilà. Un autre club exceptionnel, hein, celui-là, le GS9U22GGV0. Donc c'est bien parce que je vous donne des trucs normalement que vous pouvez voir tout de suite. Des fois, c'est un peu compliqué parce que les joueurs se barrent. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Connu de certains. Connu de certains, peut-être pas de vous. Regardez, il y a des SK001, 003, etc. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de TR. Hein. Le club est ouvert en plus. C'est marrant ça qu'il soit ouvert. J'ai pas fait gaffe. En ce moment, il est ouvert. D'accord, les gars. Donc on a un petit membre à 0 TR. 0 victoire, 0 truc. Attendez. Il a 0 de tout, lui. Hein. Il a 0, 0, 0 de tout. Hein. Je ne l'ai pas découvert, celui-là. Je le vois en même temps parce que j'ai regardé un autre avant. Il a 0 de tout, on est d'accord. Mais il a 60 brawlers sur 69. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 60 brawlers sur 69, tous level 11, les gars. Enfin, tous. Pour l'instant, je vois que j'ai level 11. Cordelius, level 11, les gars. Ah ouais, là, c'est sérieux. Maisie, level 11. Ah ouais, il n'a rien raté. Donc, on est d'accord ou pas? Ok, ok, je vérifie, hein. Je cherche le bug avec vous, on est d'accord parce que je ne l'ai pas vu, mais celui-là, il est... Ah ouais, non, celui-là, c'est le... Comment dire? C'est le con que je pas de opening ou quoi? Il a même pas mis un... Il a même pas acheté un icône de truc. Il est avec une petite chélie, genre en mode, t'inquiète, j'ai un compte claqué au sol, mais en fait, il est exceptionnel, son compte. Et est-ce qu'ils sont tous comme ça? 3, meilleur score, 3, une victoire. Ok, sur ça, on peut pas dire que ça soit un truc, mais vous voyez... Ah ouais, après, ils sont full level 11, les gars. Ah là, c'est le pigeonnage. Hein. C'est 69 sur 69, full level 11. Et je crois que si on fait ça, tous les membres du clan sont comme ça. Puisque lui aussi, il est comme ça. Je sais pas d'où il sort, lui. Ah ouais, il est comme ça aussi, les gars. Sinon, je te fais recaler du clan, je pense. Hein. Si t'as pas. Ah, quoi que. Oh, ok. Mais lui, il a pas 0 TR par contre sur ça. Ok. Là, il a pêché un peu. Hein. Il a voulu jouer son brawler. Il a joué beau, les gars. Il a joué beau. Parce qu'après, les gars, pour redescendre un brawler à 0, bon, après, il est rang 1. Donc ça on peut croire qu'il l'a jamais joué, mais quand t'as un rang 35 tu veux le descendre à 0, c'est pas possible non plus, parce qu'à un moment donné tu perds pas suffisamment de TR, tu peux plus perdre de TR et c'est compliqué, donc tu peux pas revenir à 0. Donc le SK001, lui il a 11 victoires, 39, donc il est moins cursed que je trouve que celui d'autre, et lui il est pareil, hein. Lui il est pareil les gars, donc vous voyez, hein. Ça voilà. Je sais pas si les comptes sont disponibles, de toute façon c'est interdit, mais bon, ça aurait été pas mal. Hein. Alors des fois il suffit juste d'aller dans le classement, voilà, et d'aller sur un brawler. Et là vous prenez par exemple la petite Shelly, laquelle est chelou, celle-ci par exemple.
Regardez, 1493 TR, mais pourtant elle est quand même à 1493 au niveau du record. Ce qui veut dire que c'est un compte où il n'y a que Shelly Capush, les gars. Regardez-moi ça. Et pourtant, il y a d'autres brawlers, 15 sur 69. Certes, on n'est pas sur le compte. C'est un autre type de curse, un compte. Hein. On n'est pas sur du full level 1 ou du full level 11. Par contre, la Shelly, elle est level 11 et elle a 1493. Donc c'est quand même un compte assez spécial, hein, n'est-ce pas? Comment l'expliquer? Ça s'explique par contre rationnellement, hein, je pense. Hein, la personne, elle a simplement j'aimé la petite Shelly, mis des trucs et puis après pocher. Ça va encore. Par contre, on va avoir des choses un peu plus compliquées qui va être dur à justifier. Alors, ce clan-là aussi, il regorge un petit peu de choses bizarres. Hein. Easy Wins, donc vous avez le petit tag ici. Je vous laisse prendre une capture d'écran et puis vous verrez ça tranquillement. On y va. Alors, on a pas mal de choses, vous voyez, qui sont à 0 TR. On va prendre la petite Tima par exemple. Voilà, on a un petit 0 TR pour 14 274 victoires. 0 TR les gars. 5 victoires en solo, 341 en duo. Donc tout à l'heure on avait du 2400, c'était beaucoup plus possible. Vous voyez ce que je veux dire? On peut imaginer, mais là passer tous les brawlers à 0, ça devient plus compliqué, surtout qu'il doit avoir des brawlers. Purée, ils sont tous level. Attendez, rang 1, non. Ah, comment il a fait? Ah ouais, là je me suis dit, il y en a peut-être. Je me suis dit, en plus, il y en a... Ah, ils sont tous... Mais les gars, ils sont tous à 0 TR rang 1. Ah ouais, c'est encore plus grave que ce que je pensais. Je pensais qu'il y en avait un qui était un peu plus haut et je me suis dit comment il a fait pour descendre. Mais en fait, là, il a... Ah ouais, en fait, il a jamais... Mais comment, voilà, le solo, le duo, il y en a où du solo, du... Ah, peut-être dans les défis. Est-ce que si tu fais des tonnes de victoires dans les défis sans jamais le remporter, tu fais des défaites à chaque fois? Oh purée, ça serait technique. Mais peut-être c'est une des raisons. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit Destroy, il a 1 TR, frère. Lui, il a gardé 1 TR. 6292, 5200. Ok. Et lui, il a mis où son 1 TR? Et en plus, il a une petite Tara. Il a mis où son 1 TR? Mais je le vois. Ah, mais il a... Attendez, son 1 TR, c'était un 1 TR max. C'est pas le TR qu'il a actuellement. Ah ouais, c'est ton highest score. Il est à 0 en ce moment. Ah sinon, il est sur sa Shelly, frère. Il a 1 TR sur Shelly. Non mais les gars, ça c'est juste trop drôle. Regardez celui-là, il a 16 114 TR. Il a 3000 en duo. Il a 0 TR aussi, 16 brawlers. Purée, le respect les gars. Je vous montre un petit truc avant que le prochain il arrive. Enfin, c'est pour le prochain que je vous fais ça. Regardez la maîtrise de Gus, tout à droite. Enfant perdu, hein. On est d'accord. Bon, je ne l'ai pas faite, mais enfant perdu, ça pourrait être pas mal. Et si vous tapez ce code d'équipe-là, tac, vous arrivez sur Just Main. Voilà. Alors, il y a un Gus. Je ne l'ai pas regardé celui-là. Non, je vous verrai après avec vous. Ok. Ayed, Shelly. Déjà, les pseudos, ils sont plutôt sympathiques. Mais regardez le Gus.exe, les gars. Vous allez me dire déjà, meilleur score 6666. Bon, le gars, il s'est calé sur un 6166. Il veut paraître un peu chelou. Ok. Il a un petit nounours aussi dans son pseudo. On aimerait bien l'avoir aussi. Je pense que c'est peut-être jouable. J'ai pas essayé. Et si vous voulez que c'est un Rinem et qu'on réussit, vous me le dites, ça m'intéresse. Peut-être je me mettrai un petit nounours moi aussi. Ce qui va être intéressant, les gars, c'est vous voyez, il a la maîtrise enfant perdu. Hein. On est d'accord. Hein. En plus, on voit qu'il kiffe Gus. Hein. Donc, il a la maîtrise enfant perdu que vous voyez en bas de son écran. Sauf que, les gars, quand on va regarder son profil, on voit des brawlers. Bon, voilà, ils sont pas hyper élevés. On est d'accord. Mais regardez le Gus, les potes. Où se rentre là? Vous voyez ou pas? Il a 0 TR. Il a 0 TR, il est rang 1. Il a 0 TR, il est rang 1. Il est pouvoir 11, certes, mais il a 0 TR, il est rang 1 et il a la maîtrise de Gus, les gars. Comment vous expliquez ça? Comment un mec a 0 TR sur Gus, rang 1, qu'il n'a pas descendu, donc il n'a jamais joué en leader. Donc quoi, Coupe Star? Le mec, il a fait full Coupe Star, c'est possible ça ou pas? Est-ce que c'est possible, le gars, il fait joueur star, nanana? Parce que si tu gagnes juste sans être joueur star, je sais plus. En tout cas, les gars, c'est respectable. Parce que imagine les games qu'il faut faire. Imagine comment faut la tryin ta Coupe Star avec ton Gus à 0 TR. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il y a une autre solution? Ça m'intéresse. Alors, si vous tapez ce code-là, vous allez arriver dans ce clan-là. Il n'y a plus qu'une personne. Mais il y en a une deuxième qui était incroyable. Celle-là, elle n'est pas la plus incroyable. C'est le président. Mais je pense que c'est le deuxième compte, peut-être, du compte en question. Donc, je vais vous le montrer à l'écran. Vous voyez, en fait, il s'appelle End aussi. Mais voilà, avec des espaces, etc. Ce qui est spécial dans son compte, les mains, c'est que, bah, il a une Shelly à rang 35.
5 et elle est pouvoir 1. Donc c'est possible même que le gars il ait des records du monde. Voilà, on est dans l'antithèse un peu de ce qu'on a vu avant. Pareil, mais il a un Colt exactement aussi pouvoir 1 avec un rang 35. Et pourtant tous ces autres brawlers, vous voyez, c'est que du level 1 d'abord. Et on a l'impression qu'il veut se faire un compte full level 1 rang 35. Ça, c'est un respect parce que ça risque de faire des sacrés records du monde. Donc GG à lui. Si vous l'avez retrouvé sa trace et vous savez dans quel clan il est, vous me le dites. Alors toujours dans les bizarreries, vous tapez ce code là, voilà, vous arrivez dans le clan Jack & Co, voilà, et là vous avez le seul pseudo, je crois que c'est le seul, hein, voilà, le seul pseudo qui va être écrit en asiatique. Quand je dis asiatique, c'est, je sais pas, c'est des chinois, coréens, vietnamiens, japonais, bah, je dis asiatique comme ça je suis tranquille, d'après tout le monde, voilà. Et là du coup, et bah, regardez, il a une victoire il a une victoire en duo, 0 en solo, et le mec il a quand même 62 693 terres, donc le ouah, puis des rangs 35, hein, les gars. Donc il a un vrai account très sérieux. Bon, il s'est pris quelques resets, mais purée, ils sont tous rangs 35, c'est pour l'heure. Il a fait full. Ah non, il y en a un rang 30. Il y a un jean rang 30, les gars. Mais regardez, respectez quand même, hein, parce que si on regarde bien. Attendez, il n'y a que le jean. Non, il y a un petit spike, machin. Et il a quand même une majorité de rang 35, c'est respectable. Un petit 29 sur le gré. Ouais, je crois que c'est majoritaire, les gars, hein, puisque même Poco rang 35. Là ça glisse un peu, mais je crois qu'il reste quand même majoritaire sur du rang 35. Respect au gars, mais surtout c'est un anti-joueur, ça veut dire qu'il fait même pas ses défis de solo pour gagner des récompenses. Il dit non, plutôt crever que de mettre une victoire en solo, quoi. C'est un truc de ouf. Bon les gars, je sais pas si vous avez vu aussi, mais des fois c'est pas très compliqué de trouver une dinguerie, hein. Si on va sur Cordelius, on est quand même à la sortie du brawler, hein. La saison elle est à peine commencée, hein, j'ai envie de vous dire. Moi j'ai même pas encore fait mon palier 70 pardon, hein. Et du coup là on a un gars, regardez, il a 1942, il va nous faire un 2000 TR, il va nous faire un record du monde. Déjà il est déjà un record du monde, mais je veux dire, il va nous faire un record du monde digne de ce nom, parce qu'il a peut-être raison, il va être nerfé. Et je pense que là c'est très très rare de voir des push pareils sur une saison sur un nouveau brawler. On n'a pas ça sur les autres, hein. Le gars il a fait une dinguerie. Alors il a fait déjà une dinguerie en plus sur sa Shelly, dit au passage, mais je crois qu'il n'aurait pas perdu de temps sur sa Shelly, il serait déjà à plus de 2000 sur son Cordelius. C'est un truc de ouf. Et encore, je sais pas s'il l'a gémé. J'imagine que oui quand même, parce que quand même il faut du temps. Et par rapport à ça, son nom, il n'y a pas de truc. Si on prend Trophée In, en vrai, un petit Trophée Mine, il a 220 sur Hank. Il a raté la hype de Hank, je pense, à la sortie. Sur le reste, il les a pas trop voulu jouer. Par contre, Cordelius, il s'est dit, on y va à fond, les gars. Je sais pas si vous êtes à fond, à combien est votre Cordelius, mais moi, ça me donne peut-être envie de faire une vidéo où je rush Cordelius en rang 30, mais juste en solo survivant. Ça peut être chaud. Bon, et les gars, pour couronner, hein, petite cerise sur le gâteau, hein, un truc pas mal du tout, vous tapez Diez2GGVP0PYU, vous tombez sur I Think Like a Girl. Il y en a beaucoup. Alors, bon, vous me tapez le code comme je vous l'ai mis, hein. Au début, j'ai un peu galéré, mais après, ça s'est bien passé. Vous allez regarder le vice-président. Voilà, les gars. Enfin, quand il y en a plusieurs des vice-présidents. Ok, il est là en fait, il s'appelle Otex. Regardez, vous me dites, bah en fait il est petit argenté, argent 3, 31 700. C'est pas une dinguerie, mais il y a des dingueries quand même dans son profil, les gars. Soit il est hyper mauvais, il arrive pas à faire un win rate correct, soit il fait exprès, mais il a 100k victoire en 3v3, c'est pas le record, c'est sûr, mais il est dans les top 3 ou top 4 records du monde du nombre de victoires en 3v3. On le dit au passage. Par contre, il est top 1 mondial sur ses victoires en duo survivant. J'ai jamais vu ça. Je crois qu'il met une latte à tout le monde en fait. 124 490. Le mec, il est vénère. Il est tout simplement vénère. Voilà. Au niveau du nombre de victoires. Mais par contre, son nombre de victoires ne veut pas dire des rangs 35, hein, les gars. Ouais, il y a quelques rangs 30. Hein. On va regarder quand même en trophée. Attendez, en trophée mine. Ok, en trophée mine, ça donne ça. On va regarder progressivement juste comme ça. Mais je pense que. Voilà, il y a du rang 29. Ah, peut-être Poco. Ah, Poco, il a fail sur Poco, c'est dommage. La petite Pam, ah, bon, je pense qu'il a voulu rusher peut-être la. Quoique, il l'a pas, la maîtrise, on l'aurait vu. Hein. La maîtrise n'était pas affichée, peut-être la maîtrise de Pam. En tout cas, voilà, c'est rang 30 au max. Bon, ça reste correct, hein, vous me direz. Hein. Mais par contre, vu le nombre de quantités qu'il a de win et de. Ça fait quand même un peu beaucoup, voilà. Et le nombre d'heures, il doit être assez conséquent, les gars. Donc, voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé. Moi, je vais vous montrer mon profil. Hein. Vous me dites si je suis cursed ou pas. Voilà, hein, pour une photo, hein, 15 000 en 3v3, 1800. Je crois que je suis un gars des plus standards de ce qu'il peut y avoir sur Brawl Stars. Mais non, moi j'ai un petit icône comme ça avec le C de Content Creator. Ça fait quand même assez stylé. Lequel est le plus stylé chez vous? Dites-le moi en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.